pas frais du tout le délire de quarantaine. Hein. Je suis dans mon jardin, rien à faire. Et les amis, bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas. Bienvenue dans ce qui ressemble à nos quotidiennes. Hein. Bon, vous l'aurez compris, on fait avec les moyens du bord parce que c'est devenu très très chaud. C'est chaud là, avec ce fichu virus hein, qui nous pourrit la vie. On aurait pu tout arrêter dès vendredi, mais on voulait vous faire une dernière vidéo quand même pour vous dire qu'on va mettre un petit peu les choses entre parenthèses. Voilà, à cause du virus, vous vous en doutez bien, on est plus ou moins confinés, obligés de rester chez nous. Donc on va arrêter d'aller à TF1 pendant un certain temps par mesure de précaution, évidemment, comme dans toutes les grandes entreprises. Mais on voulait faire cette dernière vidéo avec, avec l'ami Clément, donc je suis passé chez lui, vite fait, voilà, 5 minutes. Il va pas rester longtemps, vous inquiétez juste, pas. Voilà, promis, juste le temps de faire cette petite vidéo pour vous dire bye bye. On est dans le studio de Clément. C'est... On est dans le temple. On est dans le temple. Il s'en passe des choses ici. je vous jure, je suis pas là d'habitude, donc je sais absolument pas ce qui se passe ici. Donc bah, on n'a plus rien à vous raconter, hein, clairement, et on n'a pas envie de sortir des vidéos tous les jours, juste pour vous montrer qu'on existe encore. Des vidéos qui servent à rien. Donc vous l'avez vu, hein, ce week-end, pas mal de joueurs ont passé des messages de prévention et on les rejoint, évidemment. Faites attention à vous, sérieusement, prenez soin de vous, la vie est précieuse. Donc faut vraiment pas jouer avec ça. Et on a Blaise Matuidi aussi, tu sais qu'il a tenu à passer un... Il a tenu à passer un petit message, ouais. Il faut prendre conscience que cette maladie peut tous nous toucher, que ce soit nous, nos familles, nos proches, nos amis. Et voilà, j'espère que les jours meilleurs arriveront. Et en tout cas, ça dépend que de nous. À très bientôt. Bon, en attendant, il va falloir s'occuper comme on veut. C'est compliqué hein, pour tout le monde. Enfin, voilà, Clément, il vit dans un petit appartement. Je vis aussi dans un petit appartement. Donc, on va. Voilà, on va après, faire. Il y a Pouig ou Gonzalez qui s'occupent avec du papier toilette. Voilà, si vous reste un peu de papier toilette chez vous. Ça peut nous donner des idées. Si vous avez fait des réserves, vous pouvez même en faire avec 2-3 papiers toilettes. Essayez de faire comme. Faire des jongles. Bon, et ceux qui jouent pas avec du papier toilette, ils s'entretiennent, hein, nos amis les footeux, normal, parce qu'on sait pas pendant combien de temps on va être à l'arrêt. Voilà, occupez-vous, mais faites pas les malins à vous retrouver à 10 dans un parc ou taper des grosses soirées à jouer. Faut avoir un jardin comme Ter Stegen. Voilà, nous on n'a pas de jardin donc ça va se contenter de la télé, des livres à lire. Enfin voilà, j'ai pas de doute, on n'a pas de doute sur le fait que vous allez réussir à vous occuper. En tout cas, pour nous, la suite, on la connaît pas encore. Voilà, on peut pas vous faire de promesses, vous dire on va sortir des vidéos là, on va sortir. Malheureusement. Parce qu'on sait pas malheureusement ce qui va se passer, on voulait vraiment vous passer le message et pas vous laisser dans le flou comme ça en mode les mecs ils ont disparu, on sait pas ce qu'ils deviennent, mais voilà, on préfère pas vous donner de date pour l'instant. Non, ouais. C'est pour ça qu'il faut être abonné aussi. Si vous êtes pas abonné, vous allez pas pouvoir recevoir toutes ces notifs là. Il arrive toujours à glisser le petit les affaires, non, mais les affaires. Voilà, donc on va être présent surtout sur Instagram hein, pour dire un peu comment ça se passe, le déroulement de tout ce qui se passe. Et sur YouTube, donc, comme il a dit Thomas, on peut pas vous promettre trop de contenu pour le moment, on sait pas. Donc, voilà, on sait pas. Bon, en tout cas, on voulait vraiment insister sur le fait il faut se protéger, tout simplement. Vraiment, faut pas déconner avec ça. Là, moi, je suis passé vraiment voir Clément 5 minutes pour tourner cette vidéo parce que ça nous tenait à cœur. On s'est appelé hier soir et vraiment, on s'est dit il faut qu'on fasse un dernier truc, mon gars. Donc, on s'est dit allez, je passe vite fait le voir. Après, je rentre chez moi. Dès que j'appuie, il sort. Hein. Et je bouge plus. Mais je vous garantis, c'est pas une blague. Vraiment, il va appuyer sur le bouton. Je vais me barrer en courant. Le compte Insta de Téléfoot, on tâchera de vous mettre un maximum de choses sur le compte Instagram de Téléfoot tiré du 8 TF1. Voilà, tout se passe là. Nous sur nos Insta, nous aussi, on va tâcher de rester actifs. Ouais, voilà. On va essayer. Bon. On va pas vous emmener aux États-Unis, hein, mais. Non, on va pas vous vendre du rêve. Voilà, mais voilà. On peut vous faire récaler 2-3 fois. Des petits conseils, séries télé, tout ça. Ça peut passer. Voilà, c'est pas. Voilà. Bref. Bon, on vous embrasse, franchement, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et on se quitte comment comme d'hab. Ah, bah ça, on a dit jusqu'à l'infini. Jusqu'à jamais. On sera toujours en images, en musique, c'est la base. Avec un beau but. De la quotidienne. Il y en a avec un beau but. On vous embrasse très fort. Et c'est bon, on a atteint les 5 minutes. Ouais. Là, je faut y aller. Je m'échappe. Ciao. Ciao tout le monde. Venido manejando Rafa Puente. Y hoy. Aguanta que viene el disparo. N'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut.